Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour ouvrir ce gros colis. Donc c'est tout simplement une boîte à chaussures qui est remplie de cartes Wizard. Donc en fait j'ai acheté ça sur internet. J'ai acheté le lot sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc en fait on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Le seul truc que je sais c'est qu'il n'y a que du Wizard. Il y a plus de 300 cartes, il y avait marqué. Sur l'annonce, on voyait une photo avec. Il apparaissait un Arbok obscur de holo de Rocket. Et il y avait marqué en description que les cartes elles allaient de 99 à 2002. Donc il n'y a que du Wizard. Et ça, c'est super. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Juste avant, je vous montre un petit Pharamp que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Que j'ai acheté pour 6,50 € de Néo Révélation. Donc super joli. État d'occasion. Voilà. Et là, c'est parti, on s'ouvre le colis. Alors, il me tarde vraiment de voir ce qu'il y a dedans. J'ai acheté le colis pour le lot, donc de 300 cartes pour 55 € livraison comprise. En espérant que. Qu'il y ait des super cartes et que ça me permette de compléter, quoi. Donc, on va l'ouvrir. Je vais essayer de faire ça assez vite. Voilà. Alors, voilà. Donc c'est dans une Pokébox. Et du papier journal pour protéger. Hop, je sors la Pokébox. Il y a aussi un paquet d'énergie. Il avait dit qu'il n'était pas compté dans les 300 cartes. Voilà, donc après il n'y a plus rien. Je sors la boîte, le papier. Bon là normalement c'est que des cartes énergie. De Wizard aussi. Hein. On voyait pas tout sur les photos, donc j'espère que c'est bien ça. Donc voilà, ben. Ça a l'air d'être ça. Voilà, des énergies, du set de base. Ça, on voit bien que c'est le set de base parce qu'il n'y a aucun logo nulle part sur les énergies. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Rien que les énergies du set de base, comme ça, dans des états comme ça, c'est. Enfin, ça se trouve, mais voilà, c'est toujours ça de prix, quoi. S'il faut, il y en a qui sont en bien meilleur état. Ah, ça, c'est Expédition Aquapolis. Expédition, ça, c'est cool. Mais je crois que l'énergie feu d'Expédition, je l'ai déjà. Bon, je regarderai mieux plus tard s'il y a d'autres choses. Là, on passe vite sur les bords pour voir s'il y a une autre expédition ou Aquapolis. Apparemment, non. Donc voilà, donc déjà un bon paquet d'énergie du set de base qui n'est pas compté dans les 300 cartes. Et ensuite, il y a tout ce qu'il y a dans cette Pokébox. Donc ça, c'est une Pokébox récente. On dirait du. Je suis pas très fort, on dirait. Je sais plus quoi, aile de l'aurore. C'est pas Necrozma, c'est peut-être Lunala, enfin c'est une ultra chimère ça il me semble. Donc voilà, et là on retrouve la Pokébox. On va commencer par ce qu'il y a sur le côté là. Donc je découvre avec vous là, j'ai pas vu. Donc voilà, donc déjà. Donc voilà, celui-là on le voyait, c'était la seule carte qu'on voyait sur l'annonce. Donc un Arbok Obscur Holo. Donc top, elle est déjà en bon état. Oh là là, ok, je pense qu'il y aura peut-être des trucs de ouf. Bon déjà je suis super content. Même si elle est abîmée, la carte là c'est une tuerie. Un alligator obscur de Neo Destiny. Je vois même pas le shift, elle est abîmée, mais c'est pas grave. Waouh, j'ai peut-être mis les meilleures cartes. J'ai peut-être sorti les meilleures cartes en premier, mais c'est pas grave. Un Aquali Holo de Jungle. Défoncé. Alors là, c'est une reverse de Expédition. Donc ça c'est sympa. Ça, bon, elle est abîmée, mais ça va. Et une autre reverse, celle-là de Aquapolis. Donc déjà, ça fait super plaisir. Et je suis pas sûr qu'Aquapolis ce soit Acid 2002. Ouais, donc voilà. Ah, donc il y a certainement de l'e-reader. Il y avait marqué de 99 à 2002 sur l'annonce. Donc en espérant qu'il y ait pas mal de cartes style Aquapolis Expedition, donc e-reader quoi, qu'on pouvait lire en passant en badgeant la carte, il me semble, aux USA ou au Japon. Donc voilà, donc c'est sûr, on va retrouver du set de base. Donc là, il y a du set de base. Un canne artichaut. Ouais, l'état est bien du canne artichaut. Un Pikachu. Aspicot, Karaba, Fabra. Arcanin. Du Piafabec. Rhinocorne, ça c'est Jungle. Jungle. Là, il y a de l'édition 1, c'est sympa. Édition 1 du set de base, j'en ai pas beaucoup. Je vais pouvoir compléter. Carapuce, super beau ce carapuce.
Hop, du fossile édition 1, ça c'est super cool. Mystérieux fossile, deux fossiles. En édition 1, Ratatak du set de base. Sablero en édition 1, très joli. Smogogo. Arbok édition 1, donc ça c'est déjà c'est super cool. Pas mal d'édition 1. En état vraiment, vraiment sympa quand même. Attendez, il y a ça quand même. Mais si ça avait été en meilleur état, ça aurait été la folie. Bah, je vais prendre au fond là. Hop. Alors là, il y a du dresseur. Machoke, du Neo Genesis. Et une rare de Neo Genesis, ça c'est cool. Rhinophéros, Colossinge, ça c'est du jungle. Ouais, donc ça va faire pas mal de cartes. Hein. Que ça fait plaisir de voir autant de cartes Wizard quand même. C'est génial. Bah, je regrette pas du tout déjà rien qu'avec ce qu'il y a là. Ouais, l'état ça va. Hein. Du fossile. Bon, ce serait pas mal d'avoir autre chose. Je comptais sur ce lot quand même pour compléter autre chose que le fossile. Du genre qui est du. Ah, voilà. Bon, ça, c'est Neo Discovery déjà, donc c'est cool. Je suis pas sûr de l'avoir ce Zerbi parce qu'il y a beaucoup de Zerbi, donc pour avoir en tête ce qu'il y a ou pas. Ah, ça, c'est trop cool. Machoper lumineux, Neo Destiny, voilà. Les cartes que j'espérais qu'il y ait dans le lot. Cette carte, je l'ai pas, j'en suis sûr. Donc ça complète. Canardichaud de Révélation, Neo Genesis. Ah! Ah, mais c'est trop cool! Bon, du Aeromite lumineux de Neo Destiny. Superbe illustration. Vraiment pas mal en plus l'état. B-Miracle, Neo Genesis et Pokéball de Jungle. Enfin, Pokéball, ils appelaient ça à l'époque. Quand c'est sorti. Erreur de traduction où ils traduisaient comme ça. Le fait est que ça s'appelle Pokéball. Ensuite, on continue. Donc, il n'y aura que du Wizard en Roland. Paras, Misterbe. Nidoran. Miaouss, Miaouss, Miaouss. Il y en a, hein. Ferrosinge, il y a du jungle surtout et du set de base apparemment. J'espère qu'il y aura d'autres pépites de Destiny ou des trucs comme ça. C'est la grande surprise. Chétiflore. Boostiflore. Tauros. Bah là, je suis dans le lot jungle là, sûrement. Là, c'est du set de base. Du set de base encore. Neo Genesis B, Miracle. Professeur Chen du set de base. Alors, est-ce qu'il y a une double énergie incolore là-dedans? Peut-être pas. Parce que la double énergie incolore, c'est une carte que j'avais galéré à comprendre. Je crois que c'est la dernière carte que j'ai eue pour finir mon set de base. Nouveau Pokédex, elle a l'air en bon état. Ouais, ça c'est cool. Entretien. Voilà, que des dresseurs du set de base. Et autre série. Bon, là, il y a une carte sous sleeve, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose. Alors, Rattata. Celui-là, on le connaît bien. Tyrande, Onyx. Nidoran, Magnéti, Machoke. Ah, beaucoup de sets de base quand même. J'attendais d'avoir plus de Néo, mais bon, c'est le jeu. Hein. J'ai pris le risque d'acheter ce lot. Pour rappel, je l'ai payé 55 euros. Livraison comprise. Après, ça reste que des cartes Wizard, donc bon, franchement, ça va. Il y en a plus de 300, donc ça fait. Un peu moins de 20 centimes la carte, donc franchement, ça reste un bon achat. Canardichaud, Reptincelle, Kalinos. Un Dracaufeu du set de base oublié par là. Pikachu. Alors, ça, c'est le Pikachu de Jungle. Bon, il est sous pochette, mais. Tu mérites pas ta pochette, Pikachu. Bref, ensuite, ah, bon. Du Neo Destiny. En espérant que ça continue. Du Neo Destiny, Girafarig, Cornèbre, Révélation, Neo Genesis, Neo Genesis. Ah, ça c'est cool, ça y est, enfin. Là, je vais compléter. Il y a des Calminus, je les avais pas tous de Genesis, j'en avais qu'un des deux. Voilà, Neo Genesis, Neo Destiny, magnifique illustration de Goopix. Natu, Discovery, ça. Set de base, Neo Genesis, set de base. Des dresseurs, tiens, un dresseur édition 1. Encore des dresseurs. Oh là, de l'Aspicot. Goopix, sac de nœuds. Donc tout ça, c'est que du set de base, toujours. Staros du set de base.
Celle-là, c'est une rare dans l'évolution. Quand ils l'ont refait, ils l'ont mis en rare. Et pour ceux qui ont ouvert, ils ont dû la choper plusieurs fois, cette rare d'évolution. Parce que perso, j'ai beaucoup chopé avec le Grand Artichaut. Ah! Ah, il y a quelques pochettes là, il y a peut-être des rares là. Alors, on va peut-être finir les pochettes en dernier. Ah, c'est cruel, mais bon. De finir avec ça en dernier, mais si c'est le plus intéressant, on va se le garder pour la fin. Alors, Air Bizarre, Nosferapti. Donc, ça, c'est du fossile, c'est cool. Pantominus, Ammonita, deux fossiles. Ah, ça, j'avais pas. Machine à ondes cérébrales. Une rare de Neodestiny, c'est cool. Ah, ça, c'est en anglais. Golbat. Alors, Nidorino, Papillusion. Ah, un lot classant rare de fossiles. Jungle. Ah, tiens. Du e-reader. Aquapolis, Tetart Expédition, Expédition. Ah, c'est cool, il y en a pas mal. Carapuce, ah, je suis content. Master Ball. Paras de Aquapolis qui a l'air en bon état. Voltorb de Aquapolis. Guérison totale de l'énergie. Superbe carte, Salamèche de Expédition. Misterbe, double balle. Cube de feu 01. Il y en a beaucoup des cubes de feu dans cette série. Umbrillex, cube d'obscurité, un peu comme les ROM. Les CD-ROM dans Soleil et Lune, il y avait pas mal de cubes. Hop, il reste deux cartes là, trois. Monsieur Fuji, en première édition. Et voilà, et il reste les cartes sous sleeve ici. Alors c'est parti. S'il faut, ça veut rien dire, elles sont sous sleeve, mais on va finir par des communes. Donc un Papillusion. Ah ouais, ben ça en a tout l'air. Papillusion de jungle. Bulle bizarre du set de base. Un autre bulle bizarre. Encore un bulle bizarre. Un air bizarre et un florizard. Et non. Et un air bizarre, bah j'ai fini. Voilà. En fait, c'était pour protéger. Peut-être qu'il aimait bien les bulles bizarres. Donc voilà. Bon, franchement, ça reste quand même un bon achat. Faut pas oublier que ça fait un bon paquet de cartes. Puis il y a la Pokébox aussi. Je l'avais pas en plus, donc on va rejoindre la collection. Donc voilà. Il y avait donc la Pokébox. Tout ça de Wizard, que du Wizard. On va se repasser les holos quand même. Hop. Il y avait quand même des lumineux qui faisaient plaisir. Hein. Voilà, donc ça là, c'est vraiment dommage qu'elle soit abîmée. C'est Neo Destiny, le Ligature Obscur Holo. Aquali, Arbok Obscur. Donc celle-là, c'est sympa. Je vais la remplacer dans ma collecte. La mienne est en moins bon état. Et les reverse de Aquapolis. Donc voilà, ben on termine sur ça. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais un achat comme ça, sans savoir ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit que ce serait sympa de découvrir ça sur la chaîne. Moi, bon, je suis pas déçu. Il n'y a que du Wizard comme promis. Il y a quand même des jolis lumineux de Neo Destiny que j'avais pas. Donc ça me fait compléter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous si c'est pas fait et si ça vous plaît. Et si vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!